radars autoroutiers sont-ils implantés aux bons endroits? Voilà ce que pensent les lecteurs de ce journal. Mais bien sûr que oui, bien sûr que si, ils sont plantés aux bons endroits. Hein? Bah pour leur rentabilité, pour l'État, bien sûr que si. Et même que ça s'appelle du proxénétisme routier. Et il y a des citoyens qui trouvent ça très bien, hein, qui trouvent ça normal. Il y en a même qui demandent encore plus de répression. Hein. Ah bah si, 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 si. Ah bah souvent ce sont des gens qui n'ont pas de voiture, pas de permis, ou alors des gens qui ne se sont pas encore fait choper. Et le jour où ils se font choper eux, parce qu'ils ont dépassé de 6, 8, 10 km/h la limitation de vitesse, alors là c'est un scandale, c'est une honte, une ignominie, ça c'est... Eh oui, c'est aussi ça les Français. Certains charmes.